Bonsoir tout le monde et bienvenue à Los Angeles, California pour WWE SummerSlam. Et on commence avec évidemment un match pour le titre des Divas, la récente championne d'il y a un mois à Battleground, Natalia, qui avait vaincu AJ Lee. Et ce soir c'est la clause de revanche dans un match à soumission, c'est-à-dire que la seule manière de gagner est de faire abandonner son adversaire seulement, hein, pas de tomber. Évidemment la championne qui va devoir confirmer son règne en faisant abandonner AJ Lee, ce qui est quand même difficile, mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, Natalia en est capable avec son sharpshooter, mais attention à la challengeuse et ex championne des Divas, AJ Lee, qui en a fait abandonner plus d'une avec son Black Widow. Et là voilà qui arrive AJ Lee, celle qui a eu un très très long règne dans ce Great Universe. Depuis le début, elle était championne. Avait-elle perdu le titre? C'est ce que je regarde actuellement, mais je ne crois pas. À part Battleground, justement, face à Natalia, sinon elle n'a pas dû le perdre. Donc ça faisait 6 mois de règne en gros. Elle a perdu le titre face à Natalia dans un beau match. Mais maintenant, la revanche est arrivé. Je précise qu'un submission match est un match à fail, puisque l'IA va tenter aussi de faire abandonner sur des prises normales. Donc si ça arrive, tant pis, hein, mais c'est le type de match. En tout cas, on est parti pour ce match de championnat pour commencer ce SummerSlam qui s'annonce très bon. Et évidemment, c'est pour la ceinture prestigieuse des Divas, même si je préférais la ceinture Women's Championship, you know, qui faisait référence vraiment à femme et non diva. Diva, ça fait un peu, vous savez, bimbo, voilà. C'est pas forcément... Enfin, personnellement, je préfère voir un match beau techniquement que beau... plutôt qu'avec de belles femmes, même si c'est aussi appréciable. Enfin, bref. Natalia, AJ Lee, let's go, submission match. Il y a Jackie commence avec un middle kick. Magnifique tout de même. Et on est parti entre les deux femmes. Torsion du bras. Et AJ Lee qui passe derrière Natalia directement. Ouf. Coup d'avant-bras dans le dos là. C'est histoire 2. Attention. Et Natalia qui arrive à s'en sortir. Bien vu de la part de Natalia. C'était bien joué. Mais AJ Lee qui s'en sort elle aussi. Elles sont assez, attention, backbreaker, et on enchaîne avec un Russian X Whip. Désolé pour ma voix, je suis un peu, j'ai un rhume, donc voilà. Natalia est relevée, on envoie Natalia dans les cordes. Attention, Rakanrala, j'appuie sur le rond pour le tomber, mais ça ne marchera pas ce coup-ci. AJ qui ramène Natalia vers le centre du ring et qui va déjà tenter de faire abandonner la championne. Mais que nenni. AJ qui monte sur la troisième corde. Attention, crossbody. Magnifique crossbody. Ramène Natalia vers le centre. Attention, Natalia qui fait chuter AJ Lee. Et la droite sur AJ. Et encore une droite de la part de Natalia. Et c'est ce coup-ci, c'est AJ qui revient. Et c'est Natalia, c'est chacun son tour. Attention, Natalia. Oh, elle a chopé. Attention. Oh, magnifique. Une sorte de T-bone suplex. Allez, croyez-moi que là, AJ Lee a senti l'atterrissage. Hein. Et droite, attention, Natalia qui continue avec une reverse suplex. Parfaitement exécutée sur l'ex-championne. Et du coup, la challengeuse descend de la cuisse. Elle a raison, Natalia, il vaut mieux s'attaquer au dos pour le sharpshooter. Et AJ Lee qui revient maintenant, qui se relève. Le middle kick qui est esquivé. Ouf, droite d'abdomen, droite, attention, German suplex de la part de Natalia. Il ne faut pas sous-estimer la fille de The Anvil. Et on envoie Natalia justement dans le coin qui rebondit. Rakanrana, encore une fois. AJ. Qui est passé de l'autre côté des cordes et qui monte maintenant sur cette troisième corde une deuxième fois dans ce match. Natalia a du mal. Elle est revenue, ça y est, attention, le... Oh, magnifique contré en power slam.
Et JLX est fait avoir. Ouh, dans le bas du dos là. Attention, on envoie Natalia. Et JLX. 6 de tête plutôt, pardon. Et regardez, elle se pavane. Enfin, elle a raison en même temps. AJ. AJ. Flashback. On relève Natalia. Et on envoie Natalia de l'autre côté des cordes. AJ Lee qui... Oh, la droite qui fait chuter Natalia à l'extérieur. Et AJ qui se retrouve à l'extérieur elle aussi. Pied. Ouf, droite. Attention, attention, Northern Light. Souplex. Alors j'ai pas fait gaffe. Attention, on va essayer de faire abandonner à l'extérieur du ring. Et je crois que ça compte, mais AJ qui tient bon tout de même. AJ qui tient bon. AJ qui envoie Natalia. Plus vers, derrière la table des commentateurs. Et Natalia envoyée dans le ring. Voilà. Rien de... Ouh, coup de coude. Attention AJ. Qui revient dans ce ring. Elle aussi. Ouh, du pied. La droite. Encore une droite dans ses contrées. Natalia qui met une droite elle-même. Attention Natalia. Oh, discus clandestine. Ou native by nature. Et on remet AJ Lee. Attention à la descente de la cuisse. Oh, coup de pied. On relève AJ. La droite s'est esquivée. Oh, attention, AJ Lee qui enchaîne. Le Black Widow. Black Widow sur Natalia qui s'est fait surprendre. Elle pourrait perdre le titre là-dessus. Mais elle a l'air de tenir. Elle a l'air de tenir et elle a tenu. Natalia a tenu. Heureusement pour son titre, pour garder son titre, pardon. Pied. Encore coup de pied qui fait chuter la championne. Attention, elle s'est relevée. Et suce de tête. Coup de pied encore, mais ce coup-ci, Natalia s'est relevée. Attention. Oh, encore une fois, ce coup la carnage. Et attention. Oh, Natalia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène AJ Lee vers le centre du ring. Et relève. Attention, le dropkick sur la challengeuse. Elle veut pas faire son sharpshooter, hein, Natalia. Que nenni. Attention. Oh, coup de genou d'AJ Lee. AJ. AJ. Oh. Ça, croyez-moi, c'est une prouesse technique de la part d'AJ Lee qui remonte sur la troisième corde. AJ Lee. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait, Corsco Senton. Mais elle n'a pas touché du tout la championne. AJ se retrouve avec toujours la championne au sol. Ouais, magnifique. Coup de pied qui repousse AJ Lee. Attention à la droite. AJ en difficulté. Elle est envoyée dans ce coin. Natalia, le dropkick. Et on met AJ Lee à l'inverse sur ce coin. Attention, oh, coup de pied. Oh, elle est mal tombée en plus. Hein, l'épaule là qui souffre un petit peu, je pense. À droite, non. Que nenni là. Oh, ce coup-ci, c'est pas esquivé. Et le middle kick. Elle enchaîne, AJ. Elle enchaîne. Elle est repoussée par Natalia. Natalia. Attention, front face lock de la part de la championne. Le coup de coude qui fait très très mal. On envoie AJ. On la ramène. Coup de coude. Encore. Ouais, elle va partir sur un camel clutch. Ça pourrait finir là-dessus. Ce serait très moche. Certes. Mais AJ a l'air de tenir et je l'avais dit, hein, Lia va sûrement gagner si elle gagne par une prise anodine. Attention, AJ qui se relève, énervé. Oh, magnifique, magnifique retour d'AJ. Attention, le coup de la corde à linge. Je voulais faire le finisher, c'est pas passé. Et AJ qui préfère aller à l'extérieur, donc je pense que la soumission peut se faire n'importe où. Attention, AJ, le dropkick qui n'a rien touché du tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle recommence avec un camel clutch. Et là, je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini pour AJ Lee. AJ Lee qui tente de tenir. Et c'est très difficile pour l'ex-championne, la challengeuse. Il faut qu'elle pense à son titre. Il faut qu'elle y pense. Et Lia, ça m'étonne pas qu'elle parte là-dessus à chaque fois. Et AJ Lee qui tient. AJ Lee qui tient. Et elle tient encore. Elle tient encore. Et oh! Cogner Natalia là. Attention. Et on envoie oh la championne dans ce poteau. Et la face la première. Oh là 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 là. Coup de pied. Encore coup de pied. Et toujours coup de pied. Attention. Middle kick. D'accord.
Elle se retrouve la tête dans le poteau encore une fois. Et encore, encore. Bon, ben là, c'est terminé. C'est sur une prise. Moisi, merci Lia. Merci d'être développé à la... Ah oui, ça n'a pas compté. Pardon, excusez-moi. On est à l'extérieur du ring. Ça ne compte pas. C'est la belle vie. Northern Light. Souplex. AJ a abandonné. Mais c'était extérieur du ring, donc c'est vraiment qu'à l'intérieur, parce que les règles sont plus expliquées, j'ai l'impression. Attention, on envoie AJ dans le poteau, il y a une haine entre ces deux femmes, il y a une haine. On relève, AJ Lee, attention AJ qui envoie Natalia dans ce ring, et le coup de coude. AJ avait abandonné, mais malheureusement pour Natalia, c'était à l'extérieur du ring, et AJ qui va monter maintenant sur cette troisième corde. Attention Natalia qui commence à se relever. Qui a du mal d'ailleurs. AJ qui attend. AJ qui attend. Ouf, droite. Attention. Oh, ce coup-ci, ça a touché. Ce coup-ci, ça a touché. Oh, AJ qui attend Natalia. Qui attend Natalia. Ouf, le coup de pied. Le Shining Wizard. Shining Wizard sur la championne. Et ce coup-ci, AJ a le champ libre. Probablement face à Natalia. Attention, elle est partie, le Black Widow, le deuxième du match. Deuxième du match, mais la championne semble tenir. Elle veut garder son titre. Elle veut vraiment garder son titre face à AJ Lee. Et AJ Lee qui met pourtant du cœur, mais ça n'a pas suffi. Elle, voilà, elles sont fatiguées, forcément. Forcément. Attention, et Natalia, coup de cœur de linge. Discus Clothesline, Nature by Lady. Oh, coup de pied. Coup de pied encore. AJ qui a repoussé Natalia. Et Natalia qui envoie AJ dans ce coin. Et le dropkick. Elle veut pas faire son sharpshooter, j'en suis désolé. Oh, on écrase AJ donc contre le coin. Attention, on ramène AJ. Et le saut carpé d'AJ. Mais elle s'est fait avoir. German suplex. Ah, les deux femmes sont... ont tout donné aujourd'hui et c'est pas fini, mais qui va réussir à remporter ce match? Attention, Natalia, Northern Light, suplex. Et là, AJ est dans une mauvaise passe. Et voilà, je pense que c'est terminé. Elle a déjà abandonné là-dessus tout à l'heure. Elle va abandonner ce soir. AJ Lee a abandonné sur une prise moisie. Lia avait 3 finishers, elle n'en a fait aucun, sachant que c'est les sharpshooters. Lia est très très mal développée, mais c'est pas nouveau, hein. ça fait longtemps. Et il y a eu 2 Black Widow, mais ça n'est pas venu à bout de Natalia. En tout cas, Natalia vient de confirmer son règne. 2 championnes des Divas. Et par 2 fois, elle a vaincu AJ Lee. Et donc, elle confirme son statut de championne. Là, le deuxième Black Widow, mais qui n'a pas suffi à vaincre la championne du côté d'AJ Lee. On croirait qu'elle abandonne, mais non, elle abandonne pas. Elle est obligée de lâcher. Et là, on va voir la vieille prise Moisi. Surtout abandonner la tube, assez dommage. Même si elle avait déjà abandonné à l'extérieur. Et Jay Lee, évidemment, c'était à l'extérieur. C'était pas dans le ring. Et bien voilà, championne, toujours championne même des Divas, Natalia, qui ne démérite pas du tout. Et un nouveau règne se lance à la WWE. Un nouveau règne des Divas, ça faisait un bon moment. Et ça fait aussi du bien, un petit changement de titre, même si AJ Lee ne l'a pas démérité non plus. Voilà, on se retrouve pour la suite, pour le match, pour le titre intercontinental. C'est parti. Et voici le deuxième match, et probablement, peut-être, le show stealer, le match pour le titre intercontinental entre Neville, Ziggler et Harper. Et on accueille justement le champion intercontinental. Et toujours même champion intercontinental depuis un bon moment, dit Show of Dolph Ziggler qui s'accroche à son titre. Va-t-il le perdre ce soir puisque la difficulté augmente, hein, il ne fera pas face à un adversaire mais deux. Dolph Ziggler, toujours brillant, hein, dans ses prestations, et voyons voir s'il sera capable de briller tout en gardant ce titre encore une fois ce soir à SummerSlam. Ça c'est la question. Maintenant, ça reste un défi, surtout vu les adversaires qu'il y a en face, Neville et Harper, hein, qui sont deux grosses pointures, et à ne pas sous-estimer pour le moins du monde. Dolph Ziggler avec cette belle ceinture, mine de rien. Et
peut-être face à son plus grand défi. On connaît sa rivalité face à Harper et on connaît Adrian Neville. Bah justement, quand on parle du loup, l'ancien champion d'NXT, l'ex-champion tag team, faisant partie de la NXT team avec Sami Zayn. À peine arrivé dans le main roster, il a déjà eu un titre par équipe. Maintenant, il veut étoffer son palmarès avec cette ceinture blanche de Man That Gravity Forgot, Adrian Neville, qui compte bien, comme je l'ai dit, étoffer son palmarès. Hein, c'est le but aussi de beaucoup de superstars, tout en divertissant, évidemment. Neville ça peut donner un très bon match, hein, juste rien que le Neville Ziggler, sauf que là, on ajoute un petit ingrédient en plus, sinon ce serait trop facile. Neville qui avait affronté Dean Ambrose à WrestleMania pour le titre US, mais qui n'avait pas réussi à remporter le match. Et justement, on accueille le membre de la Wyatt Family qui garde un œil sur vous, Luke Harper. Gros prétendant aussi, hein. Attention. C'est pour moi une des, comme Cesaro, tout comme d'autres, l'une des pépites de la WWE, sous-estimée. Pourtant, il a un potentiel énormissime, excellent. Il est excellent dans le ring. C'est quelqu'un dont il ne faut pas se séparer, hein. Certainement pas, parce que sinon ce serait vraiment dommage. Évidemment, c'est pour ce titre de champion intercontinental en mode old school. Dolph Ziggler face à Neville, face à Harper, évidemment. Gros match pour ce champion là et pour les deux challengers. C'est parti pour ce match. Attention, Harper, Neville et Ziggler. Et Harper qui met directement Neville au sol et le coup de botte. Je vais dire dropkick, mais attention, la back suplex. Oh, Harper, il est énervé Harper. Il remet Neville au sol et encore, et là c'est un dropkick. Ce coup-ci c'est un dropkick, c'est bien ce qui me semblait. Oh, super kick. Non mais Harper, il veut vraiment être champion et le tomber à... Et non, il va falloir plus pour Dolph Ziggler, la droite. Encore une droite, attention, Ziggler qui enchaîne maintenant sur Luke Harper avec une souplex, avec maintien de la part du champion. Neville qui frappe Dolph Ziggler, attention Neville. Neville, oh le coup de pied, et on fonce sur Dolph Ziggler. Attention, et Harper il a chopé, back souplex. Allez, Ziggler, coup de pied sur Neville. Le kick qui n'a pas vraiment touché. Rakanrana, excellent. Et attention, il s'attaque maintenant à Luke Harper. Neville, il envoie Harper dans le coin. C'est repoussé, enfin c'est éjecté, le armdrag, excellent. Tout ça pour le titre intercontinental. Oh, magnifique standing moonsault. On relève Luke Harper. Et c'est esquivé avec un arm breaker. Et attention, on met Ziggler au sol et prend de l'élan et le coup de pied et le coup de la corde à linge, où c'est esquivé. Heureusement que Neville a esquivé, dropkick. Magnifique. On voit les restes, hein, de champions NXT et encore une fois, standing moonsault. Relève Luke Harper, ce match qui peut être celui qui le match 5 étoiles, hein, de la soirée, on ne sait pas trop encore. Et on envoie Dolph Ziggler à l'extérieur du ring. La droite s'est esquivée par Adrian Neville. Les challengers préfèrent rester ensemble. Et Neville qui envoie Harper. Attention, calf kick. Coup de pied. Et Ziggler qui s'attaque à Neville. Encore une droite. Attention, Neville dans les cordes. On ramène Harper vers le centre du ring. Et l'enchaînement de descente du coude sur Harper. Et le champion, Flying Elbow. Ziggler et Neville qui enchaîne Ziggler avec une back souplex sur le champion. Oh, attention, était droite qui pleuve justement encore une fois sur ce champion. Et il a repoussé Neville. Et le coup de tête sur l'arrière de la tête de son adversaire. La droite s'est esquivée. Attention, super kick de Dolph Ziggler.
Oh, le middle kick qui repousse le champion. Mais Dolph Ziggler n'en a pas fini. Coup de genou. Et attention, neckbreaker, excellent. Et Luke Harper qui va sur la troisième corde. Ça, ça fait peur. Ça fait très peur. Mais Neville n'en a que faire. Coup de pied, attention. C'était quoi, c'est un diving headbutt, on aurait dit, mais c'était un peu bizarre. Descente du coude sur Neville. Et la descente du genou, là. Enfin, le coup de genou, plutôt. Attention. Et Neville, il a chopé Harper. Back suplex sur Luke Harper. Et Neville. Oh, il s'est esquivé. Esquivé magnifiquement. Attention, Luke Harper. Luke Harper, le facebreaker sur Dolph Ziggler. Et Neville. Qu'est-ce qu'il fait, Neville? Il va faire le tomber. C'est intelligent, mine de rien. Le titre peut changer aussi rapidement que ça. C'est pas faux. Attention, Harper. Oh, le coup de pied de Harper. La droite. Neville est sur le coin. Et là sur la troisième corde. Encore une droite. Et il est repoussé. Attention. Oh, drop kick. Alors que Dolph Ziggler l'avait retourné justement. On relève Luke Harper. La droite de Dolph Ziggler. Attention Ziggler. Ouh, backbreaker. Neckbreaker. Magnifique enchaînement. Et Harper qui amène Dolph Ziggler dans les cordes. Attention Harper, le coup de corde à l'âge. Dolph Ziggler, le champion, éjecté l'extérieur du ring. Neville qui peine à se relever. Attention Luke Harper, il prend de l'élan. Neville s'est poussé, tombé suicidaire à l'extérieur du ring. Incroyable. Et Luke Harper qui revient dans le ring. Attention Luke Harper, il a chopé Neville. Luke Harper, le sit down powerbomb. Nouveau champion 1, 2. Et il s'est relevé. Adrien Neville, heureusement, parce que Dolph Ziggler n'aurait pas pu intervenir. Et Luke Harper qui continue son travail. Incroyable combinaison là. Le topé suicidaire sur le champion et le sit-down powerbomb qui a failli mettre Neville hors course. Mais ce ne fut pas le cas, heureusement. Oh, attention, running bulldog pour le champion ainsi que Neville. Coup de pied. Et Neville qui envoie Dolph Ziggler dans le coin. Oh, le dropkick qui n'a rien touché du tout. Là, c'est, la droite, attention Neville. Neville qui enchaîne. Snap suplex de Ziggler. Oh, coup de cœur de linge qui a fait chuter Adrien Neville. On relève Neville. Attention de Ziggler. Jumping DDT. Et Harper qui relève le champion. Oh, la droite. En fait, je pensais que j'avais un coup spécial, mais non, donc c'est pour ça que ça a fail. Et il fait tomber. Non. Du coup, Dolph Ziggler n'a pas pu continuer. Attention, on va dans les cordes. Heartbreaker. Oh, attention, le reverse Frankensteiner de la part de Neville. Mais Luke Harper est là. Ouh, droite qui n'a pas touché. Oh, le kick. Coup de pied. Et Luke Harper qui est envoyé dans ce coin. Et on met Luke Harper dans le bon sens. Coup de genou. Luke Harper est au sol. Et attention, Neville qui monte sur la troisième corde pour le Red Arrow. Mais magnifique de la part de Dolph Ziggler d'avoir empêché. Attention, le tomber sur Luke Harper. Par comme ça, Luke Harper qui se relève. Luke Harper qui s'est relevé finalement. Attention, et le zigzag sur Luke Harper. Et Neville qui va voler le match. Neville, et non, forcément, il était là, Dolph Ziggler, heureusement, parce que il aurait pu voler le match. Et on envoie Luke Harper encore une fois dans ce coin, coup de genou. Et encore une fois, Lia qui fait pareil pour placer son Red Arrow. Mais Dolph Ziggler est là. Et Dolph Ziggler qui rejoint Neville à l'extérieur du ring. Tout ça pour le titre intercontinental. Luke Harper s'est relevé. Attention. Oh, coup de genou. Et le crucifix. Neville. Et Neville, regardez. Clé de bras sur le champion. Mais forcément, il ne peut pas abandonner à l'extérieur du ring. Mais si, histoire de le calmer. Ouais, Luke Harper. Oh, il a sauté. Mais il est malade, Luke Harper, et regardez. Le face. Breaker dans le ring. Et là c'est Ziggler qui est en mauvaise posture. Et Luke Harper qui va en profiter. Mais non, il n'en profite pas tout de suite. Droite. Attention, Dolph Ziggler. Coup de pied sur Dolph Ziggler.
Et le coup de genou, il saigne le champion intercontinental. Mais il envoie Luke Harper. On ne sait pas trop. La droite. Le champion est blessé. Et là, c'est l'orgie à l'extérieur du ring. Oh, le DDT. Alors que Luke Harper envoie Dolph Ziggler dans le ring. Et ça y est, il revient à Harper alors que Neville est toujours à l'extérieur du ring. Attention, jumping DDT sur Luke Harper. Et ça pourrait finir là-dessus, le tombé. Il a surpris le tombé à... Et Harper qui s'est enlevé. Neville est revenu, lui. À droite. Oh, super kick. L'enchaînement. Et oh, le corkscrew, somersault. Et Ziggler qui enchaîne, mais forcément, Neville était là. Neville qui relève notre ami. Neville qui envoie Harper dans le coin. Attention, le big boot. Et Ziggler. Oh, Ziggler. Et le Russian Leg Sweep. Ouch. Sur Neville. Attention. Le coup de la corde à main sur Dolph Ziggler. Ouais, je pense que c'est terminé. Nouveau champion 1, 2 et 3. Nouveau champion. Incroyable prestation des trois hommes. Et je m'en doutais qu'on n'allait pas avoir le Red Arrow si c'est pas moi qui le contrôlais. Parce que l'IA a du mal. On a vu le zigzag tout de même. On a vu beaucoup de belles choses. J'ai bien aimé l'enchaînement d'Harper. Juste après ça, justement. Coup de la corde à linge. Ensuite, il a regardé, il s'est dit « Ouais, bon, j'y vais. » Ouais, c'est bon, il est relevé. Il a poussé Neville, et là, le topé suicidant, il est remonté. Et Sidon Powerbomb, mais on va pas le voir, je pense pas. Ah bah si, c'était juste après, avec les cheveux de Ziggler qui bug. Sidon Powerbomb. Mais Neville s'en est relevé. Et là, le super kick qui a mis Harper au sol. Et enchaînement, corkscrew, somersault. Mais ça n'a pas... Bah oui, Neville était là, donc... Par contre, là, le coup de la corde à linge sur le sanglant Dolph Ziggler qui a réussi à faire perdre le titre justement à ce Dolph Ziggler. Et le tout en battant le champion dans un Chopper Flat Match. Neville était toujours au sol. Et finalement, Harper a réussi à prendre des mains du champion le titre. Il y aura forcément une revanche, mais c'est déjà un pas en avant vers un nouveau règne. En tout cas, Harper vient de conquérir le titre. Et c'était un très très beau match. Maintenant, on va passer à un match pour savoir qui affrontera le champion de la WWE, le gagnant de ce soir, mais qui l'affrontera dans un mois à Night of Champions. On est parti. Bravo à Luke Harper tout de même. Et voici le match pour savoir qui sera le challenger numéro 1 après ce soir, hein, Sheamus, Bryan, Orton et Cena. Donc grosse affiche, malgré le fait que dans un Fatal 4-Way match, il y a de grandes chances que le match termine mal aussi. Donc on verra bien. En tout cas, on accueille le dernier qui a été champion juste avant CM Punk, celui qui justement lui avait réussi à lui prendre le titre, et qui eux deux ont réussi à capturer et le sont encore, champion par équipe, le leader du Yes Movement, Daniel Bryan, qui aimerait bien avoir une nouvelle chance pour affronter CM Punk. Après, encore faut-il que CM Punk gagne ce soir. Mais bon, rien qu'une nouvelle chance pour le titre de la WWE serait déjà excellent. En tout cas, Daniel Bryan compte bien y parvenir ce soir, mais il y a de gros adversaires en face. Et n'oublions pas, ils sont 4, donc 25% de chance de gagner, c'est pas énorme. En tout cas, on verra bien quel sera le résultat dans quelques instants. Maintenant, Daniel Bryan est arrivé. Il nous en reste 3 à arriver. Mais non les moindres, évidemment. Le numéro 2. Je ne sais pas c'est dans quel ordre qu'il va arriver, mais... Eh bien, on passe par celui-là, justement. Mr. Money in the Bank. Attention à lui. Il a la mallette. Il sait comment l'utiliser. Puisqu'il l'a déjà fait par le passé, justement face à Daniel Bryan notamment. The Viper Randy Orton, qui compte bien lui aussi regoûter au titre, et à mon avis il goûtera forcément avec sa mallette, à moins d'un pas de chance. En tout cas, gros prétendant pour le titre, et il est revenu dans la course
Donc il faut faire très très attention. Surtout avec la mallette de Money in the Bank. Et Daniel Bryan le connaît bien, Randy Orton évidemment, parce qu'ils ont eu une très grosse rivalité en 2013, ainsi que un peu en 2014. Enfin ouais, très rapidement, ouais, en vraiment très le début de 2014, parce qu'après Daniel Bryan a été blessé, mais une fois que Daniel Bryan a été champion en WrestleMania 30, il a battu Kane à Extreme Rules, et ensuite il a été blessé, donc la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était à WrestleMania 30, je pense. Randy Orton est arrivé, maintenant il nous en reste, on a fait que la moitié, hein. Il nous en reste 50% encore une fois. Et celui qui est venu, qui a fait son retour, un retour fracassant de Celtic Warrior, The Great White Sheamus. Lui qui a battu Randy Orton les dernières semaines deux fois de suite. Lui qui a combattu face à Brock Lesnar, qui a fait une très belle sensation, même si Brock Lesnar a réussi à sortir vainqueur. Sheamus est un gros prétendant et il est revenu. Non pas pour faire joli, mais tout simplement pour retoucher à l'or de la ceinture de la WWE. Et il a l'air d'être bien parti, hein, tout de même. Donc on espère pour lui que ça se passera bien. Fella. Lui aussi, il connaît bien Randy Orton. Un peu moins Daniel Bryan, parce que vu leur match de 18 secondes, ou je ne sais plus combien, moisi, la WrestleMania, c'était... Non, c'était moche. Et on va accueillir le dernier, mais non le moindre, quelqu'un qu'on n'a pas revu depuis un petit moment dans ce univers, en tout cas autour du titre, qu'on n'a pas vu beaucoup. Il s'agit bien évidemment du 15 fois champion du monde et de la WWE. Il détient le presque record, hein, bientôt. The champ is here, John Cena est arrivé. Mais est-ce qu'il reviendra en haut de la montagne? Ça, c'est la question. Et la seule façon d'y parvenir, ce serait probablement de gagner ce soir. Donc, à lui de faire ses preuves, lui aussi. Ce match pour les 4 superstars est extrêmement important. Ça leur permet un match pour le titre à Night of Champions. Donc, croyez-moi que la mise est au maximum. Hein. Là, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et il va falloir 3 perdants et un gagnant, forcément. Donc on va voir. On est parti, en tout cas. John Cena, Daniel Bryan, Sheamus et Randy Orton. Gros, gros match. Fatal 4-Way, let's go! Attention, ça part directement c'est en équipe, là. Attention, la manchette. Attention, Daniel Bryan. Il était prêt pour une German suplex, mais heureusement, John Cena l'en a empêché. DDT, c'est sans disqualification. De toute façon, la soirée, je crois que c'est sans disqualification. Je suis pas sûr, mais le Submission Match doit être sans disqualification. Les Triple Threat sont sans disqualification et Fatal 4-Way aussi. Donc, on se retrouve à l'extérieur du ring du côté de Sheamus, Randy Orton. John Cena, lui, enchaîne sur Daniel Bryan. Ouh, DDT. Et la droite sur Randy Orton. Attention, Orton, la droite dans le dos. C'est esquivé. Ouf, droite. Sheamus qui enchaîne Orton, mais Orton qui revient. Orton qui se fait recontrer. Dommage pour lui. À droite. Attention, la manchette. Coup de coude. Et swinging neck breaker de Daniel Bryan sur John Cena. De beaux affrontements. Et la back suplex sur John Cena. Orton s'est fait contrer. Attention. Ouh, il était slamé au sol à l'extérieur du ring. Il y a des coups de coude qui pleuvent sur John Cena. Attention à pas être trop loin du ring en la personne de Randy Orton et Sheamus, parce que là, attention, gut wrench suplex. Magnifiquement porté et coup de pied qui pleuve sur Randy Orton, là, qui subit beaucoup. On relève The Apex Predator qui est renvoyé dans le ring. John Cena toujours face à des moyens de coup de coude. Attention, c'est esquivé, coup de pied. Et le coup de cœur d'Alinge sur Sheamus. John Cena qui a failli, attention, Northern Light suplex de Daniel Bryan. Randy Orton et la descente du genou sur Sheamus. Randy Orton qui doit toujours, qui veut toujours, je pense, vaincre Sheamus une bonne fois pour tout. DDT sur Sheamus. Attention, John Cena n'a pas vu Randy Orton. Et la suplex, ces deux-là se connaissent parfaitement. Randy Orton s'attaque à tout le monde, mais sur Sheamus ça prend pas. Coup d'avant-bras. Attention, Sheamus.
Oh, la reverse suplex sur John Cena. Et Randy Orton envoyé dans le coin. Et le Tiller Wheel. Backbreaker. Descente du coude. Attention, Daniel Bryan qui enchaîne des coups de pied sur John Cena alors que Randy Orton commence à souffrir face à Sheamus. Randy Orton, il envoie Sheamus de l'autre côté des cordes et regardez les coups de pied qui pleuvent. Ouh, la droite et le kick. Et de l'autre côté, le Spike DDT. Et les deux hommes qui font le tomber. Aucun des deux se fait compter, j'ai envie de dire. Attention. Et on envoie. Ouh, la German Suplex sur John Cena à SummerSlam, ça rappelle quelque chose. Ça en rappelle 17. Magnifique. Magnifique de la part de Sheamus. Magnifique de la part de Sheamus. D'avoir. Attention, Belly to Belly qui n'est pas passé du tout. Et le Backbreaker sur John Cena. Et attention, Sheamus qui est prêt pour le White Noise. Attention sur Daniel Bryan. Et on envoie Randy Orton. La corde à linge est esquivée. Oh, KO sur Sheamus. Oh, KO. Et le tombé. Ah, et John Cena était là pour empêcher la victoire à Randy Orton. La droite sur Sheamus. Oh, coup de coude. Et belly to belly suplex. Attention. Et John Cena qui est prêt. Tout le monde le regarde. You can't see me. Et on prend de l'élan pour le 5 Knuckle Shuffle sur Randy Orton. Et le tombé maintenant sur Randy. Mais il s'est relevé. Et le tombé sur Daniel Bryan. Ça s'est relevé grâce à John Cena. Ouh, la droite. Encore une droite. Ouh, et Daniel Bryan qui revient. Attention, pousse un coup de kick de Daniel Bryan. Randy Orton est KO. Passez vite, le tombé 1, 2. Oh, la victoire. Ah, c'était probablement trop court, mais tant pis. Randy Orton. Bon, il y a eu quand même des prises, même si c'est extrêmement court. Mais je l'avais dit, Fatal 4-Way, ça peut aller très vite. Et l'IA a été occupée de l'autre côté. On a eu un KO, on a presque eu un Attitude Adjustment, mais c'est pas passé. On n'a pas eu de broad kick, mais on a eu le Buzai Kun et kick ou le Running Knee d'une façon brute, si on veut dire ça, même si c'est pas exactement ça. En tout cas, Randy Orton a perdu aux mains de Daniel Bryan. Et Daniel Bryan est maintenant le challenger numéro 1 pour Knights of Champions. Et finalement, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il revient pour le titre. C'est incroyable. Daniel Bryan, un Knight of Champions, je le note exprès. Hop. Il y aura un match, tac, il y aura un match. Knight of Champions qui aura 5 matchs au lieu de 4 d'habitude parce que vu qu'à Knight of Champions, tous les titres sont défendus. Diva, Intercontinental, US, enfin c'est plus US maintenant, c'est ECW, Tag Team et WWE. En tout cas, le Yes Movement est clairement d'accord. Maintenant, on passe au Main Event, justement pour le titre pour lesquels ces 4 hommes là se sont battus. Un Triple Threat match. On est parti. Et voilà le main event de ce soir, un match pour le titre de la WWE, un Triple Threat match, Brock Lesnar face à CM Punk, face à Roman Reigns. Gros match. Et justement, on accueille le champion de la WWE depuis un bon moment pour ce main event, un Triple Threat match. Pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur. La seule façon de gagner est de battre un des deux adversaires par tombée ou soumission dans le ring. Et justement, celui qui nous vient de Chicago, Illinois, the best in the world, Chicago made, CM Punk. Évidemment, le champion de la WWE, accessoirement. Lui qui est champion, en gros, depuis WrestleMania 30. Il a vogué jusqu'à Payback en perdant le titre face à Bryan. Ensuite, il l'a récupéré. Ensuite, ils ont fait match nul à Battleground. Donc, ils ont eu une revanche à Raw dans un TLC match que je conseille. Et CM Punk en est rendu vainqueur. Et ce soir, il revient pour affronter Roman Reigns et Brock Lesnar. Les deux qui l'ont battu lui-même. Lui, il s'est fait battre par ces deux-là dans des matchs à 1 contre 1. Mais du coup, ils ont quand même eu droit à avoir un match. Brock Lesnar l'avait gagné d'une autre façon, je crois. Hein, mais je,
Oui, c'était un Chopper Fight Match à Battleground, c'est pour ça. Du coup, CM Punk devrait gagner ce match-là pour se confirmer, hein, pour se dire, bon bah finalement j'arrive à les battre quand même. Mais attention, parce que celui qui arrive, c'est pas comme ça. Lui qui a presque mangé CM Punk la dernière fois. The Beast Incarnate, the Conqueror, Brock Lesnar. Et non, il arrive sans Polyman, mais avec toute la motivation et la rage qu'il faut. Brock Lesnar. Sauf que ce coup-ci, ce n'est pas un 1 contre 1. Non, que nenni. C'est un chopper threat match. Brock Lesnar qui aimerait retoucher à ce titre. Et justement, lui qui l'a perdu à Elimination Chamber face à CM Punk. Enfin, ils étaient 6, hein, mais CM Punk l'a gagné. Et ensuite, il y a Seth Rollins qui avait caché sa Money in the Bank. Et il n'avait pas réussi à récupérer ce titre à WrestleMania. Donc, depuis tout ce temps, il a été écarté, Brock Lesnar, du titre. Notamment, et il a eu une rivalité avec Roman Reigns qui arrive justement. Les deux hommes se connaissent très très bien. Roman Reigns qui a réussi à battre CM Punk il y a quelques semaines à Raw. Donc il a obtenu ce match quelque part un petit peu par hasard comme ça. Mais sachant qu'il a battu le champion, il a complètement le droit d'avoir un match pour le titre. Et c'est pour ça qu'il a été greffé à ce match. Sinon ça aurait été un remake de ce qui s'est passé en vrai. Lesnar Punk SummerSlam. Mais là Reigns vient se greffer au match. Et ça risque de voler, comme on dit. Est-ce que CM Punk va garder son titre et aller affronter une nouvelle fois Daniel Bryan, Night of Champions? Ça, c'est la question. Est-ce que Reigns va commencer son tout premier règne de champion de la WWE? Est-ce que Lesnar va reprendre ce qui lui est dû, c'est-à-dire ce titre-là, le prestigieux titre de la WWE? Réponse dans quelques instants, en espérant que ce soit beau, parce qu'on a eu quand même deux matchs assez... Enfin, le tout premier match d'Ediva était quand même une fin un peu moisie, mais dommage, tant pis. Et là, le match juste avant, là, avec les quatre, un Fatal 4-Way, c'était un petit peu trop rapide, mais c'est pas grave. Reigns, Punk, Lesnar, pour le titre de la WWE. On est parti. Allez, main event. Punk Lesnar Reigns, c'est parti. Allez, Lesnar, regardez Lesnar. German suplex sur Roman Reigns. Oh, et par contre, CM Punk ne l'a pas attrapé. Voilà, et voilà, il enchaîne. German suplex sur CM Punk. Ah non, mais Lesnar, il est comme ça. Il explose. Oh, s'attaque à CM Punk. Et Russian neck sweep. Roman Reigns qui va pas être KO après une seule German suplex. Il est pied dans le dos de Brock Lesnar. Attention, descente du coude sur Brock Lesnar, et là c'est du 2 contre 1. Mais Lesnar est encore là. Ouh, la droite. Attention, la back suplex. Lesnar qui est pris à partie. Ce coup-ci, ça y est, Roman Reigns, CM Punk, vous avez à vous faire un très beau match la dernière fois. Attention, on va dans les cordes. Le swinging neck breaker. Lesnar est arrivé. Lesnar sur le champion. Backbreaker. Attention, et Lesnar, il a chopé. Et la German suplex avec le tombé. Le pont, le tombé. Non, ça suffit pas. La droite. Oh, la droite sur CM Punk. Encore une droite. Il touche Roman Reigns en même temps. Coup de pied de la part de Punk. Attention. On envoie le challenger dans le coin durement d'ailleurs. Coup de pied. Et le coup de genou. On dirait qu'ils veulent neutraliser Lesnar avant. Hein. Ça a l'air d'être le plan là. Et Roman Reigns. Backbreaker. Ouais, c'est du 2 contre 1. Clairement. Reigns et Punk face à Lesnar. Oh. Mais au moment du tomber, il y aura forcément une séparation. Ça se passe toujours comme ça. Et Lesnar qui revient tout de même. Ouh, la droite. Mais il se fait refaire avoir. Ouh, backbreaker. Et Lesnar ne peut pas respirer. Il ne peut pas respirer. Ah, regardez-moi ça. Et la reverse suplex. Il n'a même pas le temps de se relever. Et CM Punk, ça y est, qui trahit cette fausse amitié là. Mais Roman Reigns est clairement lucide. Il était clairement là. Et Brock Lesnar s'est relevé. Back suplex. Attention Lesnar, coup de la corde à linge, c'est esquivé. Le swinging neckbreaker de la part de CM Punk. Droite sur le dos. On ramène Brock Lesnar vers le centre du ring. Attention. Et des coups de coude qui pleuvent sur Brock Lesnar. Oh, encore. Coup de pied. Est-ce que si... Ouf, la droite. Encore une droite. Attention. Alors, s'attaque à la jambe de Brock Lesnar. Ouf, elle a dû souffrir là.
CM Punk. Lesnar qui a beaucoup souffert dans ce match pour l'instant. Qui a le plus souffert même. Roman Reigns qui va chercher soit un objet, je sais pas trop ce qu'il va chercher, mais il va chercher. Alors que CM Punk enchaîne Brock Lesnar. Mais Brock Lesnar n'est pas d'accord. Il va chercher des escaliers en plus. Et Roman Reigns. Je sais pas ce... Oh, la droite sur CM Punk. Attention, Brock Lesnar qui a réussi à reprendre le contrôle. Et attention, la super... Oh super... La superpex, pardon. Je cherchais le mot. Roman Reigns. Roman Reigns qui... Avec la puissance backbreaker sur Brock Lesnar. Roman Reigns qui est celui qui a le moins souffert, lui, par contre. Et l'enfourchement sur le champion. On relève. On relève CM Punk. Attention. Attention, Roman Reigns. Le moment of silence. Et le tombé. Mais Brock Lesnar n'est pas d'accord. Brock Lesnar n'est pas d'accord. German Suplex. Attention, une autre. German Suplex. Et la troisième. Ouh, German Suplex sur Roman Reigns. CM Punk qui va faire le tomber automatiquement là. Mais que nenni de la part de Brock Lesnar qui enchaîne. Kimura Lock. Kimura Lock sur le champion. Kimura Lock. Il veut faire abandonner. Et termine ce match aussitôt. Kimura Lock. Mais finalement, le champion CM Punk n'a pas abandonné. Droite. Il n'a pas su terminer CM Punk. Ou la droite. Ce coup-ci, c'est contré. Coup de pied. Attention. On envoie Brock Lesnar dans ce coin. Shining Wizard. Et le coup de la corde à linge. De CM Punk, le Spirou. CM Punk a réussi en quelque sorte à esquiver. Heureusement pour lui. Attention. C'est esquivé. C'est esquivé. Et Benny to Benny. Souplex. Le Spear de Reigns qui est passé à travers tout. Là, c'est incroyable. Oh, la roulade. La roulade de CM Punk. Et on met Reigns au sol. Et le coup de pied. Attention. CM Punk qui attend que Roman Reigns se relève. CM Punk, il a Roman Reigns sur les épaules. CM Punk, go to sleep. Et Roman Reigns qui est au sol. KO. Et on envoie CM Punk à l'extérieur du ring. Et on le rejoint en la personne de Brock Lesnar. Incroyable. Alors que Reigns venait de subir un GTS et la German Suplex à l'extérieur du ring. Et Brock Lesnar fait de la place maintenant sur la table des commentateurs. Roman Reigns est revenu à l'extérieur du ring. Incroyable match qui est loin de te terminer pour l'instant. Et la droite. Attention, Brock Lesnar, il avait pris les escaliers. Oh, belly to belly overhead suplex sur les escaliers. Et le genou là de Reigns qui souffre. Pied. Attention, et encore ce pied là. Brock Lesnar qui se relève avec du mal. Et la droite qui n'a pas touché du tout. Attention, la droite. Et Brock Lesnar, coup d'escalier sur le champion et sur le challenger. Il est malade. Il est malade. Brock Lesnar. Incroyable. La valeur de destruction de Brock Lesnar. Et il enchaîne maintenant. Regardez la puissance qu'il faut avoir pour faire ça sur Roman Reigns. Le triple powerbomb. Et coup de coude de CM Punk. Lui qui saigne maintenant abondamment. Oh, la droite. Il s'est pris une de ses droites. Attention, Northern Light. Suplex de la part du champion. Champion qui saigne, qui a été un petit peu beaucoup touché. Hein, et on ramène Reigns au sol. Brock Lesnar commence à se relever. Brock Lesnar commence à se relever. Attention, on envoie Roman Reigns dans ce coin, dans ce ring, pardon, dans ce coin. Et le coup de pied. Brock Lesnar qui monte dans le ring aussi. Et on envoie Roman Reigns dans le coin. CM Punk. CM Punk Shining Wizard sur le challenger coup de la corde à linge. Et le tombé maintenant. Mais Brock Lesnar n'est pas d'accord du tout avec ça. Attention. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ça part de partout là. On ramène Lesnar au sol. Et le coup de pied dans le dos. Ouh, le dropkick. CM Punk est en danger. CM Punk est en danger. CM Punk est en danger, mais il s'en fout. Ouh, le high kick. Non, 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 pas comme ça. C'est bon, ça sera pas comme ça. Lesnar n'est pas d'accord. Coup de la corde à linge de Brock Lesnar. Et coup de la corde à linge. Encore une fois. Incroyable. Incroyable match pour le titre de la WWE. Et German Suplex encore, Lesnar qui a encore de l'énergie. German Suplex une nouvelle fois. Et la troisième sur Roman Reigns.
Et le doigt, regardez, CM Punk qui veut en quelque sorte shipper le combat. Attention, CM Punk au pied sur Roman Reigns. Roman Reigns, Superman Punch sur Brock Lesnar. Ouf, incroyable, Brock Lesnar a été surpris. Là, de nulle part, là, le Superman Punch. Incroyable Superman Punch. Attention, Roman Reigns, il enchaîne sur CM Punk. Et là, sur Roman Reigns, Brock Lesnar, pardon. Et l'étirement, étirement, aïe. Et le tombé sur Brock Lesnar, le tombé 1. Mais Brock Lesnar se relève. CM Punk est relevé. Roman Reigns aussi, les deux font un coup de pied. Attention, CM Punk, il attend Brock Lesnar. CM Punk, il a Brock Lesnar sur les épaules. CM Punk, attention. Qu'est-ce qu'il a fait Roman Reigns? Il a complètement avorté tout ce bordel. Et regardez, ça profite à Brock Lesnar. Le F5, il a avorté le GTS. Roman Reigns s'est relevé. Et Lesnar en profite avec un autre F5. Et là, je pense que c'est terminé. Oh, CM Punk s'est relevé. Middle kick, incroyable match. Après deux F5, le calf kick. Et encore un calf kick. Et ça peut être fini là-dessus, attention. Le swinging neck breaker. On relève Brock Lesnar. Attention, claqueur de linge sur le dos. Ouf. CM Punk. Attention. Roman Reigns, moment of silence. Oula. Ça n'a pas abouti. Coup la corde à linge de Brock Lesnar. Incroyable match. Incroyable. On a presque vu tous les finishers. Il manquerait le spear de Roman Reigns. Mais apparemment ça n'arrivera pas. Roman Reigns est au sol. Et regardez, Dragon Sleeper de la part de Brock Lesnar qui veut lui décrocher la tête, on dirait. Et le coup de pied dans le dos de Roman Reigns. Et il enchaîne avec un tombé, notre ami CM Punk. Mais que nenni. Pied. Oui, Brock Lesnar est dans les vapes. Et CM Punk. Attention, claqueur de linge. Et le Samoan Drop. The Powerhouse is here. The Powerhouse. Attention, Brock Lesnar. Ouh, la droite. Je crois qu'il a esquivé un spear grâce à ça. Roman Reigns est sur la troisième corde. Ouh, la droite. Roman Reigns. Allez, c'est CM Punk qui s'en charge. C'est CM Punk, top rope, a Rock'n'Runner. Ouais, regardez-moi ça. Anaconda Vice sur... heureusement qu'il y avait le pied dans la corde. Et Brock Lesnar s'est relevé. Brock Lesnar est énervé. German Suplex. Incroyable match. Deuxième. Et la troisième qui passe. Oh, troisième German Suplex. Attention, le dropkick qui fait chuter le challenger. Et non pas comme ça. Non. Brock Lesnar s'est relevé. Attention. Allez, les deux hommes sont fatigués. Brock Lesnar, coup de la corde à linge sur Brock Lesnar par Roman Reigns. Attention Reigns. Il attend Lesnar. Et CM Punk qui ne fait que regarder. CM Punk, le spear sur CM Punk. C'est pas possible. Brock Lesnar est KO. Non, pas comme ça, ce serait très moche. Oh. Et Roman Reigns. Ah, je pensais que j'allais pouvoir faire le F5. Mais non, Roman Reigns. Vous n'avez pas vu que Brock Lesnar était encore là. La droite. Et encore une droite. Reigns est dans les cordes. Coup de la corde à linge. Lesnar éjecté. Et Reigns qui y va aussi. Comme ça, ce sera fait. Coup de pied. Et on se retrouve à l'extérieur du ring. Mais incroyable match, hein, franchement. Ouais, attention, et on se retrouve à l'extérieur du ring. Ça peut durer des jours et des jours, hein, croyez-moi. Reigns a été envoyé au sol par une back suplex. La droite, les trois hommes sont fatigués incroyablement. Attention, on met Lesnar au sol, le coup de pied dans le dos. CM Punk, le champion, et les deux challengers n'ont pas démérité du tout. On a vu de tout, la droite. Et regardez-moi ça, c'est chacun son tour, et on envoie CM Punk, là ça devient très dangereux. CM Punk est envoyé dans le ring. Non, pas à tomber là-dessus. CM Punk se relève. Oui, CM Punk se relève, c'est esquivé de la part de CM Punk sur Roman Reigns. Attention, Roman Reigns, moment of silence. Et le tombé, mais que nenni. Là ça serait fini, hein, si j'étais pas là. Attention, et Brock Lesnar, STO. La droite sur CM Punk.
Et Brock Lesnar qui enchaîne encore une fois avec des German Suplex de nulle part. Et la troisième, German Suplex. Pfiouf. Et c'est Brock Lesnar est un petit peu KO. Mais Lesnar qui repousse Roman Reigns. Attention, le spear DDT. Il a esquivé ce spear, c'est incroyable. Il a esquivé ce spear, la droite. Roman Reigns est dans les cordes. Coup d'acteur d'allage. Brock Lesnar éjecté tout simplement. La droite. On se retrouve encore une fois à l'extérieur du ring. Les trois hommes manquent beaucoup d'énergie. Manquent de beaucoup d'énergie, je dirais. Oh là 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 là, c'est prise qui ne touche pas. Ouais, Reigns, c'est un puck. Regardez-moi ça. Le DDT. Oh, je sais plus exactement lequel nom de cette prise exactement, parce qu'ils ont toujours un nom assez précis. On en voit CM Punk dans les barricades, mais en fait non, pas du tout. Et CM Punk est envoyé dans les escaliers. Attention, Brock Lesnar. Follow-away slam, pump and down, follow-away slam. Relève Roman Reigns. Et Reigns qui envoie Brock Lesnar. Attention Reigns. Reigns pour la deuxième fois de ce match. Le spear à travers la barricade qui a coupé Lesnar en deux limites. Incroyable match. CM Punk est toujours là avec le front ensanglanté. Lesnar n'est probablement plus trop là. Et Roman Reigns qui enchaîne maintenant. Mais CM Punk est toujours là. Le arm breaker. Incroyable. Et Lesnar, il ne bouge plus. Il ne bouge plus le challenger. Et par contre, CM Punk n'aurait peut-être pas mieux fait de relever Brock Lesnar. C'était peut-être pas la chose à faire. Attention, le genou là. Ouais, on envoie Roman Reigns dans le poteau. Ouch. Ouch, ouch. Regardez, on dirait, comme ils disent en vrai, hein, c'est un accident de voiture, c'est clairement ça. Et on envoie Roman Reigns de l'autre côté de l'arène. Ouch. Oh, et Lesnar qui veut se venger. Lesnar qui veut se venger. Le spear à travers la barricade. Incroyable match. Encore. Incroyable. Quel match. Et c'est pas fini, c'est ça le pire. Le pire, c'est que ça n'est pas fini. Et Lesnar qui a déjà coupé Reigns en deux lui aussi. Il va s'occuper. Oh, c'est pas possible, le champion, on aurait mieux fait de pas venir. Lesnar qui compte détruire tout homme arrivant en face de lui. Ils sont sur la table des commentateurs et le F5 à travers la table. Oh, CM Punk n'est plus de ce monde. Reigns bouge tout de même. Mais à mon avis, ce sera pour pas très longtemps. Oh, et Reigns qui revient. Attention, Reigns. Et Reigns qui renvoie Brock Lesnar dans le ring. Brock Lesnar est revenu dans le ring. Et Reigns qui arrive. Attention, Brock Lesnar. Brock Lesnar. Oh, oh, c'est esquivé de la part de Brock Lesnar. Brock Lesnar qui a chopé Reigns. Et le F5. Et là, c'est CM Punk. CM Punk, Springboard. Splash. Pied. Incroyable. Attention, CM Punk, est-ce qu'il va sauter ou pas? Non, il saute pas, bon. Je pensais qu'il allait sauter, j'attendais. Et Reigns qui s'attaque à CM Punk, hein. Reigns qui est énervé lui aussi. Attention, Roman Reigns. Avec une superplex, probablement. Et ça va être ça, la superplex. Ah. Et non, ça ne suffira pas là-dessus, pas comme ça. Attention, Brock Lesnar, Kimura Lock, il avait le pied dans la corde, pied dans les cordes, et encore une fois CM Punk qui va subir, et un coup la corde à linge. Oh, Roman Reigns qui a sauvé CM Punk, mais CM Punk est plus vraiment là. Attention, il envoie dans les cordes, le DDT s'est esquivé. Ouh, Russian Neck Sweep. Et Brock Lesnar qui enchaîne avec une souplex, probablement sur CM Punk. Incroyable match. Et le tombé de Roman Reigns qui n'aboutit pas. Et Brock Lesnar, German Suplex. Et probablement, non, même pas. Attention, Follow Islam. Quel match. Qui n'est toujours pas terminé, hein, ce match d'ailleurs. Pied. Attention, Roman Reigns qui semble aller plus vers le coin, mais ça ne sera pas comme ça. Brock Lesnar s'attaque à lui aussi. Ouh, la droite qui fait chuter Roman Reigns. Coup de pied sur CM Punk.
CM Punk qui a contré Brock Lesnar, Armbreaker. C'est esquivé. Oh, le pied sur Roman Reigns. Attention les deux hommes. Oh, oh le spear de Roman Reigns. Ah, je voulais enchaîner, il n'enchaînera pas parce que c'est moisi. Et non, le spear qui a coupé CM Punk en deux, mais ça ne suffira pas. Brock Lesnar, le F5 sur Roman Reigns. Et c'est... Allez, lève-toi Lesnar. 1, 2, ah la vache, j'y ai cru. La droite, encore une droite de Lesnar, Lesnar qui est envoyé dans le coin. Et Roman Reigns qui en profite avec l'enfourchement sur CM Punk. Et le tombé, c'est incroyable, il y a l'IA qui fait des tombées à volo. Pied. C'est chacun son tour et le match qui dure et qui dure, mais qui dure encore. Coup la cœur d'un linge qui a touché les deux hommes. Et Brock Lesnar qui s'est enlevé en mode énervé. Brock Lesnar. Coup la cœur d'un linge sur Roman Reigns. Attention Roman Reigns. Et c'est esquivé. Le surpassement. Et tout a été cassé, j'ai l'impression, dans l'arène. Et le Spinebuster. CM Punk se relève. Il aurait mieux fait de ne pas se relever, je crois. Parce que Brock Lesnar est énervé. Attention. Et l'enchaînement des powerbombs. Ouf. Comment fait-il pour encore avoir autant d'énergie en fin de match? Encore un powerbomb. Et le troisième. Powerbomb. Et Roman Reigns s'est relevé. Voilà. F5. Le dernier. F5. Sur Roman Reigns. Et je pense que c'est terminé. En battant Roman Reigns de la sorte tombée. 1, 2 et 3. CM Punk s'est relevé trop tard. La victoire de The Beast est arrivée. Et croyez-moi, je pensais pas vraiment gagner vu tout ce qu'on a eu dans le match. On a vu un Kimura Lock, on a vu de tout. C'est incroyable. Là, le spear qui était complètement foiré. Un spear dans le dos. Le GTS et le F5. Là, c'est le dernier. C'est bien, on passe du début à la fin. On est passé à travers deux barricades, à travers une table. C'était clairement le main event. Et CM Punk a perdu son titre des mains de Brock Lesnar. Maintenant, à voir s'il réussira à le récupérer par un match revanche. En tout cas, pour l'instant, à Night of Champions, ça devrait être Brock Lesnar, Daniel Bryan. Mais c'est pas encore sûr. Brock Lesnar a remporté ce titre. C'était un beau pay-per-view finalement. Et je vous donne rendez-vous pour la suite. Hein, j'espère que vous avez apprécié. Et salut à tous. En attendant, je vais récupérer de la voix parce que j'en ai plus beaucoup. Allez, ciao tout le monde. Salut.